bruit pour l'IS. Concept un peu spécial aujourd'hui sur ma chaîne. 5 minutes avant de monter sur scène, je demande à d'autres humoristes de me dire le premier métier qui leur passe par la tête. Par la suite, je monte sur scène et j'improvise totalement sur ce métier comme si je l'avais fait toute ma vie. Forcément, ça donne des moments lunaires. Je vous laisse découvrir ça. Bon visionnage. Là, on va faire un jeu là. Vas-y. En gros, je vous explique. Vous allez me donner le premier métier qui vous passe par la tête. Ok, archéologue. Archéologue. Bricoleur. Ok, archéologue, on va faire archéologue. Là, je vais monter sur scène et full impro sur archéologue. Oh, okay. Martin, avec toi, on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tu sais, tu ressembles un peu à Antoine de Griezmann dedans. Non, carré. moi, la dernière fois que je suis venu à Bordeaux, je l'ai fait à vélo. Non, sérieux, quoi. J'ai fait Paris-Bordeaux à vélo, 620 km. Tu sais qu'il y a 600 km, normalement, on s'est trompé de route. Donc, 620 km. aujourd'hui, je suis venu en train, donc ça va. Je suis content d'être là. On peut faire du bruit pour tous les humoristes, s'il vous plaît. C'est grave dur de faire des blagues. Moi, je viens de Paris et moi, là-bas, je suis pas humoriste, je suis archéologue. Je sais, on dirait pas comme ça, mais quand j'ai les mains dans le sable, quoi, ça se voit. Et on est sous-côté un peu des archéologues. Parce qu'il y en a de moins en moins. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un archéologue? C'est en gros, on fouille dans le sol jusqu'à on trouve quelque chose, quoi. Ça veut dire, je crois, les puits, c'est juste des archéologues qui auraient à trouver, quoi. En gros, archéologue, c'est pas un métier facile parce que moi j'ai commencé avec mes doigts à la base. Et après, j'avais plus d'ongles. Et en gros, j'ai commencé à être. Enfin, ma mère, elle disait, c'est sûr, il doit être archéologue. Parce que quand on était petit, dans le bac à sable, je faisais toujours un truc, tout ça. Et ma mère, elle me disait, ah ouais, toi, t'es archéologue. Donc, je suis devenu archéologue. Faut pas confondre avec architecte. Parce que. En gros, les architectes, c'est presque comme nous, mais sur Terre, quoi. Je sais pas si vous voyez. Genre, en gros, nous, on essaye de trouver ce que les archéologues, ils ont fait en bas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est dur, archéologue. Hein. Des fois, on a des pinceaux, je sais pas si vous les avez déjà vus. Vous avez jamais vu par un pinceau Vous avez jamais vu d'archéologue? Bah, profitez-en. Tu n'es pas pour un archéologue. Non? J'aime pas Antoine Griezmann. Voilà, que moi j'ai pas trop de blagues, mais on m'a dit quand tu commences, faut être à l'aise et après tu pourras faire des blagues. Mais archéologue, c'est bien. Je crois que j'ai un trou de texte, si vous m'excusez. La vidéo va reprendre dans quelques secondes. J'espère qu'elle te plaît jusque là. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire comprendre en commentaire avec un mot que j'essaierai de placer dans la prochaine vidéo. Et c'est aussi le moment pour toi de t'abonner. Je sais que tu sais pas trop quand le faire. Et bah c'est le moment parfait. C'est le petit bouton en dessous de la vidéo. J'espère que c'est fait. Je te laisse avec la suite. Ah ouais, c'est dur l'archéologie. J'ai un bac plus 3 en archéologie. Et on a rendez-vous dans le désert. J'ai fait 3 ans dans le désert. On devait creuser. Et le premier qui trouve, il a sa licence, quoi. Ouais. Vous mettez avec celui qui avait les plus grosses mains. Et ouais. Ils ont des petites gorges. Ils ont des grosses mains, donc je l'ai tremblé. Et peut-être qu'un jour, un autre archéologue va le trouver. On sait pas. Il y a un truc sérieux, ça je suis pas pour là. Non, parce que en gros on a des ennemis un peu les archéologues.
Je sais pas si vous connaissez les paléontologues. Ah, je ne peux pas me les voir. Vous connaissez la différence entre un archéologue et un paléontologue? Ouais. C'est qui? C'est interaction. Non, tu mens. Non. En gros, les archéologues, nous, on cherche des objets. Et les paléontologues, ils cherchent des gens alors qu'ils sont morts. Ils sont pas du quoi. Vous avez pas compris? En gros, ils cherchent des gens dans le sol, alors que c'est pas possible de vivre dans le sol. Parce qu'il y a du sable. Personne ne peut vivre dans le sable. C'est pas possible, quoi. Donc, autant être archéologue que paléontologue. Par contre, dites-moi quand même les archéologues. Et moi, je suis archéologue à Brest. C'est la première ville d'archéologie en France. Parce qu'il y a plein de choses sous terre, quoi. Vous savez c'est quoi le plus gros vestige? C'est ça qu'on dit, non? C'est vestige. Ah. Vertige, non? Vestige. Chapitre 2, c'est semestre 5. En gros, le plus gros truc qu'on a trouvé, c'est Toutankhamon. Tu connais Toutankhamon? Tu connais? Non? Toi, tu connais, toi? Qui connaît Toutankhamon? On dirait qu'on cherche. Toi, Antoine? C'est un running gag, c'est marrant ça? Ça fait beaucoup de blagues drôles quand même là. Je sais pas comment, faut combien de blagues pour percer dans le stand-up. Là je suis au moins 12, non? Je peux pas les noter, j'ai oublié de m'enregistrer. On refait ou? Non. Tout en camon? C'est un pharaon? Ouais. Mais c'est fou parce que c'est un archéologue qui a trouvé tout en camon. Alors que ça, c'est le rôle de qui? Des paléontologues. Ça va. Tu me restes combien de temps? Parce que j'ai des fouillé. Combien? 3. 3 minutes? Ah ouais. J'ai le temps de fouiller, quoi. Mais voilà, c'est dur d'être archéologue. C'est fou, hein? On ne voit pas souvent. Après, si tu veux t'arrêter là, tu peux. Non, le temps c'est important. Bah, je fais Paris-Bordeaux à vélo, quoi. Mais je cherchais rien. Il faut pas. Ça a rien d'archéologue. Hein. Celui-là, tu l'entends plus au profondeur. Il y a aussi des archéologues de mer. Des archéologues marins, on appelle ça. Vous connaissez ou pas? Non. En vrai, je suis pas sûr de ce que je sais. Je vous jure que j'ai des trous alors que j'ai pas de texte. Faut se voir. C'est vraiment une dinguerie, quoi. C'est dur le stand-up. Vraiment dur, quoi. Mais sachez que j'ai fouillé, comme j'ai pu dans ma vie, les endroits les plus sombres pour trouver des choses exceptionnelles. Mais j'ai jamais vu un public aussi rare, quoi.